Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une américaine en 4 points. Cette américaine, c'est elle. Premier point, c'est une Chevrolet Camaro. La Camaro, elle apparaît en 67. L'année suivante apparaît la Z28. À l'époque, c'est une option au catalogue, une version plus sportive, mais surtout une version d'homologation. Parce que avec ça, la Camaro peut courir en championnat Trans-Am aux États-Unis contre les Ford Mustang. Deuxième point, la mécanique de cette Z28. Forcément, c'est une américaine, c'est un V8. Ici, c'est un 350 cubic inch. Chez nous, ça fait 5,7 litres. En puissance, il sort 360 chevaux. Là où c'est intéressant et là où c'est sportif, c'est qu'il envoie ça aux roues arrière avec une boîte méca à 4 rapports. Troisième point, c'est pas une muscle car, non, c'est une pony car. C'est plus petit, il y a quand même un moteur V8, mais c'est plus vif. En fait, sa concurrente, c'est la Mustang, mais on trouve aussi, dans le même groupe, la Firebird, qui est la même que la Camaro, mais en plus cossue. Et au volant, qu'est-ce que ça donne? Du coup, j'ai pu la conduire sur la piste frontoboise, elle est vraiment sportive. C'est-à-dire que le moteur, il y a de la puissance, mais il est surtout très souple. C'est-à-dire qu'on peut être en quatrième à 2000 tours minute, on met pied dedans à la sortie d'agglomération, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La boîte est hyper intéressante, parce que donc c'est une manuelle, mais avec un bon guidage, un bon verrouillage. Bref, on la trouve tout de suite, on n'a pas besoin de s'en mêler les neurones pour réussir à bien la manier. Au niveau de l'amortissement, rien à dire. C'est vraiment très, on va dire, européen. C'est pas du chamallow comme on peut trouver sur certaines américaines qui va être très mou, qui va rebondir, etc. Non. Là, c'est précis, c'est nickel. Au final, c'est quoi? C'est une vraie sportive. Du coup, je retourne faire un tour. Je remercie Christophe pour nous avoir prêté sa voiture à lui. Puis à bientôt.